Hola chica, hola chico, c'est Max Pitt pour le Los Tabarnacos Podcast. C'est l'épisode 27. Puis aujourd'hui, j'ai un invité, c'est mon premier athlète que j'ai sur le podcast, je pense. Puis je trouve ça fucking nice. C'est quelqu'un qui est quand même, c'est quand même impressionnant à la voir. Puis je suis sûr qu'on va entendre parler de lui plus dans les prochaines années. C'est un gars qui a deux titres. C'est un gars qui fait de la moto. De la moto de vitesse. Là. Il va ses tracks, puis let's go, il va vite. Il a pas peur de ça, la vitesse, lui. En plus, là, il fait plein d'autres affaires, là, mais en moto, il a deux titres. Il a gagné Moto America Junior, la coupe, en 2018. Ça, c'est aux États-Unis. Puis aussi le Twin Cup Championship 2019. Ça, c'est aussi aux States. Fait qu'il fait de la course aux States, il niaise pas. Puis aussi, c'est un... Il veut devenir pilote d'avion. Il a pas peur, le gars. What's up? J'ai Alex Dumas avec moi. Comment ça va? Ça va bien, Max? Ça va bien, merci. Hey, t'en fais beaucoup quand même d'affaires pour un gars de 18 ans. C'est quand même surprenant, tu niaises pas. Non, mais j'ai l'horaire pas mal chargé. Hein. Ça va bien. Moi, à 18 ans, ben non, c'est pas vrai. Moi, j'ai quand même voyagé tôt, mais j'avais pas fait autant d'affaires que toi. On va commencer par le début. Fait que t'as 18, tu fais de la course de moto, ouais. Sport. Puis là, t'es rendu... Toi, où ce que t'es, là, c'est des grosses motos, c'est des super bikes là, que tu rides, right? Fait que dans le fond, la même chose que t'es rendu là, au plus haut level que ouais. Tu peux être. L'impro est pas mal la plus grosse classe. Ouais. OK, malade. Puis toi, je veux dire, t'as commencé comment à faire de la moto? J'imagine que t'as pas commencé en super bike, t'as commencé en motocross, me trompes-tu? Ben, quand j'étais jeune, depuis que j'ai 3-4 ans que je fais du motocross. OK. Ouais, un petit peu. On allait une piste à côté de chez nous, proche. Puis j'ai fait du motocross jusqu'à 7-8 ans. OK. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai continué à en faire un peu vers 10 ans, mais en tout cas, j'ai pas fait tant que ça. On faisait juste pour le fun un peu l'été, couple de fois. OK, fait qu'en motocross, tu faisais pas les courses FMSQ ou les affaires non, comme non, ça? Non, non, je fais pas vite. Non, non. Okay. J'ai fait une coupe de course quand j'avais 5 ans, mais ça arrête là. Mais j'étais okay. pas hyper vite. J'aimais ça, là, mais pas plus que ça. Puis, en tout cas, je m'en rappelle plus trop. Puis à 10 ans et demi, mon père m'a acheté mon premier bike de rue pour faire de la piste de course. OK. C'est un CBR 125. Fait que c'est une petite moto de rue bien basic, mais c'est le fun pareil. Mais c'est hâte parce que normalement. À 10 ans, je veux dire, il n'y a aucun kid qui ride une moto. Là. Tu sais, je veux dire, je pense à 10 ans ou à 11 ans, peut-être que tu vois ton voisin qui a un scooter, puis tu es comme, ah, Christ, que j'ai hâte d'avoir 14 ans pour avoir un scooter. Ouais. 50cc, mais tu t'es skippé direct à 10 ans en 125. Ouais. Ça devait être cool. Je veux dire, c'est-tu toi que ça t'intéressait, toi, ou c'est ton père qui trippait là-dessus? Ben, dans ce temps-là, mon père, il y a 10 ans de ça avant ça. Ben, juste avant que je sois né, il faisait des courses au Canada. OK, ton père, toi, avant, il faisait des courses de moto. Ouais, fin des années 90. Puis, il a arrêté. Il a fait une couple d'années, puis il a arrêté. Puis, 10 ans plus tard, en 2009-2010, il a recommencé à faire des courses. Puis, c'est là qu'il m'a acheté ma moto. Fait que là, on a fait des essais libres, des track days. Puis, dans le fond, j'allais aux courses avec lui. Puis ça, c'était l'été d'après que j'ai fait vraiment des... Je suis vraiment allé au track souvent. Puis j'ai commencé okay. à faire des courses. Puis j'imagine qu'à un moment donné, ton père, il a réalisé, oh shit, il est rapide, ça vaut la peine. Ouais. Ben, dans le fond, mon été que j'ai eu 11 ans, mon père, il est allé... Non, l'été que j'ai eu 12 ans, mon père, il a pris un... Il a engagé comme un gars qui est super. Il est, niveau professionnel, il a gagné les championnats puis tout. Pour donner des cours à mon père. Okay. Pendant cette fin de semaine-là, il m'a donné des cours aussi. Là, mon père, il l'a engagé encore pour qu'il revienne une couple de fois. Puis, dans le fond, il donnait des leçons à mon père puis à moi aussi. Fait que là, moi, au début, je connaissais rien. Fait que tout ce que mon coach, il me disait, ben, je progressais quand même assez vite. Ça a fait que j'ai commencé à l'été de mes 13 ans, j'ai fait des courses quand même niveau... C'est national, mais pas des gros nationales, là, mais des bonnes courses. Okay. Des régionales, mettons, mais à travers les États. Puis mon père aussi, dans le fond, lui, il faisait ça comme course, mon père. Des régionales à travers les États. Puis là, je suivais, puis je faisais les petites classes. Pendant que lui, il faisait les grosses classes de Superbike. Fait que là, je courais contre des jeunes quand même assez vite.
Puis que ça donne qu'aujourd'hui, ils sont au même niveau que moi aux États. Puis ils font ça quasiment comme une carrière. Fait que okay. Je prenais contre ces jeunes-là, puis je roulais en avant, je gagnais des courses des fois, puis j'étais quand même assez vite. Nice, puis t'as coursé au Québec jusqu'à quand, dans le fond? J'ai jamais fait de course au Québec. OK, tu faisais pas de course au Québec? Non, c'est juste aux États, tout le temps aux États. J'ai fait une couple de, tu sais, des pratiques au Québec, mais j'ai jamais fait de course au Québec. OK. Jamais. Puis la décision d'aller aux États-Unis pour faire du bike, c'était pourquoi, dans le fond? C'est-tu parce que j'imagine... Mais tu sais, moi, je pense course de moto aux États-Unis, puis dans ma tête, genre, j'imagine Texas, puis les Américains super riches avec les gros trailers, puis les familles de riches, là, avec... Tu sais, j'imagine... Tu sais, dans ma tête, moi, je suis sûr qu'il y a du monde qui ont déjà bêté des sommes énorme sur toi, genre, ou sur leur fils. Je me trompe-tu? C'est-tu vraiment cliché, là? Tu sais, comme, moi, dans ma tête, je connais pas trop les courses de moto, fait que dans ma tête, j'ai comme le cliché NASCAR. Ça ressemble-tu un peu à ça ou pas, partout? Dans le monde de la moto, c'est ça, il y a moins d'argent qu'il y a dans les chars. OK. Ça continue à dropper. C'est depuis 2008 que c'est pas terrible. Mais mettons, en 2012-13, c'est quand même assez fort, mais là, les compagnies, ils mettent moins d'argent. Ben oui, c'est quand même ça. Il y a moins d'équipes qu'avant, mais il y a quand même des équipes assez grosses. Avec les gros trailers, les 53 pieds, puis tout. Les vannes. Okay. Non, c'est mais j'imagine que quand tu roules pour des... Toi, t'es avec Suzuki, si je me trompe pas. J'espère que je me fous pas là. Okay. Ah, j'imagine que quand tu roules pour Suzuki, tu sais, t'as ton team avec toi et tout. Puis, Non, c'est... C'est NASCAR, mais juste en plus petit, mais c'est vraiment fort. Okay, tu dors pas dans une tente la fin de semaine lors des courses. Non. Nice. OK, fait, c'est ça, c'est quand est-ce que cette décision-là avait été prise pour aller aux États-Unis? Puis ça t'a affecté comment, ça? Ben, mon père, lui, son trip, c'était aller faire des courses aux États parce que les pistes sont belles. Au Canada, ici, il y a deux pistes qui sont quand même pas pires. Mais le reste, c'est pas des grosses pistes. C'est pas. Tu sais, mon père, lui, il fait ça pour le fun. Fait. C'est tant qu'elle allait à des pistes plates, ben il dit on va aux États, puis lui son trip c'était aller faire des courses aux États. Fait que là, okay. Ben, moi je suivais quand j'étais jeune pendant mes étés, puis on faisait ça, c'était le fun. Puis là, justement là j'ai été quand même assez vite, fait que quand j'avais 13 ans, j'avais pas l'âge de faire la série junior aux États, elle que j'ai gagnée en 2018. Okay. Pas l'âge pour la faire. Fait qu'on est allé au Mexique pendant un été. Faire la série de 300, le junior que je faisais. Mais au Mexique. Parce que ça prenait 13 ans là-bas. C'était comment ça? C'était différent. Tu sais, c'est pas le Club Med où tout est inclus sur le bord de la beach. C'était vraiment. Okay. Il y a un coup, on est allé proche de Mexico City. Non, c'est différent du Québec. Ça a l'air. J'ai parlé avec ton père un petit peu, puis ça a l'air qu'il est arrivé de quoi au Mexique? Je pense que vous avez failli vous faire vous kidnapper. J'étais jeune, je ne savais pas trop ce qui se passait, mais dans le fond, on est allé manger au resto en taxi, mais c'était à 3 km de l'hôtel. C'est juste en haut de la côte. Fait que là, on va manger, puis là, on revient. Puis, il n'y avait pas de taxi. En tout cas, on dit, on va y aller à pied, c'est à côté. Puis là, c'est sur le bord d'un poste à gaz. OK. Il y a un gars avec un Econoline. Puis, il dit, voulez-vous que je vous emmène, c'est où vous en allez? Fait que là, mon père, il dit, ah, l'hôtel qui est juste là en bas, là, on la voyait. Fait qu'il dit, OK, en bas. J'ai pas de banc. Puis lui, c'est juste un banc en avant, puis un banc de côté. En tout cas, c'est ça, il était deux en avant. Fait que là, tu sais, il n'y avait pas de banc. Fait que les gars avaient rien derrière, mais nous autres, en ouvrant la porte, on pensait qu'il allait avoir un banc ou je sais pas quoi derrière. Et non. Il y avait absolument rien. Puis il y avait, tu sais, au lieu d'avoir d'être ouvert, il y avait une grille en métal. Tu peux pas aller en avant. Puis c'était noir, il y avait pas de lumière en arrière. Tu voyais juste en avant. Il y avait même il y avait la grille, puis il y avait des rideaux. Et tu voyais une petite craque, là. Vous avez-tu hésité avant de monter? T'étais-tu comme... Non, et il nous embarque, il nous emmène à l'hôtel. Il n'y a pas de danger. Fait que là, on en va. Puis là, je pense, il y a assis, puis la porte était barrée. Elle, okay. Mon père, il va triper. Puis là, il cognait dans la grille. Puis il dit, oh oui, on s'en va là.
Maintenant, ils nous ont déposé là, mais on ne sait pas sur qui on aurait pu tomber. Non, c'est chose. Finalement, ça a bien été. Ouais, ça a bien fini, là, mais c'est ça. Une petite période. Puis j'imagine, tu sais, au Mexique, moi, j'entends plein d'histoires comme quoi des gens qui se font estorquer et tout. J'imagine que t'as deux gros bikes dans ton trailer. T'es comme une cible. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais comment ça marchait, nous autres, c'est que le coût de la vie là-bas est pas cher. Fait que, dans le fond, c'est KTM qui organisait comme. Tu sais, il y avait une série de courses de moto. OK. Du Mexique. Puis KTM, eux autres, ils apportaient des motos, puis ils chargeaient un montant d'argent pour que tu roules la moto. Ouais, mais c'était pas cher, mais un peu plus d'épreuves. Bon, ouais. Fait que là, j'ai fini. Il y avait un jeune qui était quand même vite. Et il faisait quasiment toutes les classes, puis il était vite, il avait 16-17 ans. Puis, dans le fond, à la fin de l'année, ils prennent les trois meilleurs du championnat, puis ils nous emmènent en Europe faire le championnat du monde, dans le fond. Dans 8-9 pays, ils faisaient cette série-là. KTM faisait cette série-là, dont aux États-Unis. Puis, dans le fond, ils apportent toutes les trois meilleurs de chaque championnat, puis ils font une grosse course aux États. Pas aux États, mais en Europe. C'est malade, ça. Ouais. Fait que là, moi, j'étais allé là-bas. On a eu des troupes de moto, là, mais en tout cas, c'était très OK, fait que tu l'as fait le trip en Europe? Oh, oui, j'ai fait. Puis j'ai fait 2 années de suite, parce qu'à 14 ans, l'année d'après, j'étais allé au championnat américain. OK. J'ai fini 3e au championnat. Fait que je l'ai refait. Ah, là, nice. C'était hot. Puis là, à ce point-là, t'avais-tu déménagé aux States ou pas encore? Non, on faisait des allers-retours. OK. Ouais. Nice. Mais il y a 8-9 fins de semaine dans toute l'année. Fait que c'est pas. Ça vaut pas la peine de déménager là-bas. OK. Ouais. OK, fait que même là, dans la dernière année, t'habitais-tu là-bas ou. Non. Il y a juste l'été passé que j'ai passé une couple de mois chez mon coach. Dans le fond, lui qui m'a appris comment rouler comme du monde. Puis à rouler vite. Puis j'ai resté 3-4 mois chez lui. Il habite en Californie, sur le bord de la plage. OK, c'est ça, j'allais te demander dans quel coin tu étais. Je veux dire, t'avais quel âge que tu étais là-bas? Je venais d'avoir 18. Ben, j'ai eu 18 là-bas. OK, fait que t'as jamais pu, dans le fond, aller dans les bars. Parce que t'as eu 18 dans la pandémie, toi, là. Oh oui, c'est ça. OK, ça, c'est débile. Ça, parce que moi, tu sais, quand j'ai eu 18, je veux dire, la vie était normale. Fait que je pouvais faire ce que je veux. Mais toi, tu fais partie des gens que t'as jamais pu aller dans un bar encore. Mais jamais pu. Je suis revenu en septembre. Puis, je pense que okay, il y avait un petit moment en septembre qu'on pouvait encore sortir. Ouais, mais je ne suis jamais allé dans un bar. Ben, à Québec, mettons. Je suis déjà allé en Gaspésie, que j'avais pas l'âge, mais. En tout cas. Fait que là, ouais, j'étais allé dans des restos bars, mettons. Tu sais, comment okay. Des trucs, là, mais. Oh, ouais. Ouais. Mais Chris, avoir 18 ans en Californie, juste être en Californie à 18 ans pour faire de la course de moto, ça doit être vraiment surréaliste. Je suis sûr que sur Tinder, c'est fucking intéressant, là. Je veux dire, ça a marché. Young French Canadian doing super bike race. Mais pour moi, c'est plus un bout de français, le French Canadian, qu'un moto. Ouais, ça l'aide, hein. C'est surprenant à quel point parler avec un accent québécois de marde, des filles aiment ça. Ben, eux autres, le français, ils trouvent ça classe, tu sais, dans les restaurants chic, tout est écrit en français. Fait que là, ouais. On parle français, mais en plus, notre accent est hot. En tout cas, ça fait un bon mix. Puis en Californie, t'as-tu vu... tu sais, je veux dire, la Californie, c'est vraiment nice. T'as-tu... Probablement, ma première question, c'est une question de foodie. Moi, j'aime la bouffe. T'as-tu mangé, genre, les tacos des taco trucks pis tout? Ben, je suis allé... Jamais allé dans un vrai taco truck, mettons. Là. OK. Mais tout le temps au Taco Bell. Ça c'est bon. Ouais. Mais ça compte pas. Le Taco Bell, c'est genre les moins bons tacos du monde. Ah, je sais. Non, mais je suis jamais allé dans un vrai... Dans un petit taco truck, jamais. Okay. Jamais essayé ça. Ça, t'aurais dû faire ça. Je sais. Mais sinon, c'est ça. J'imagine que ça devait être vraiment spécial, là, je veux dire, passer une partie de ta vie là-bas, quand même jeune de même, habiter en Cali. Toi, je veux dire, quand tu fais tes courses, là, tu vas vraiment vite. Là. C'est à combien
ça monte. 2,83 dans ce coin-là. OK. Puis moi, tu sais, comme je fais, c'est quand même débile. Moi, je fais du vélo de montagne, je fais du DH, du downhill, ouais, de la descente. Fait que, tu sais, moi, je monte pas les côtes, j'ai descend, fait que je monte en chairlift, ça va quand même vite. J'imagine que j'atteins comme, je sais pas, 70. C'est sûr que je suis dans les arbres pis dans les roches, là. Mais, tu sais, je suis à 60, 70 puis je trouve ça malade. Tout est à 2,80. T'es-tu déjà planté? Tu penses quoi quand ça arrive? Pis... Ben, ça arrive souvent, là. Ben, souvent. Ça arrive une couple de fois dans l'été que tu te plantes. Hein. C'est pas. Ça arrive tellement vite que tu t'en rends compte quand t'es à terre. Mais vous êtes quand même padé. T'sais, je vous ai moi. J'ai jamais vécu une bêche en moto, mais je vous ai de ce que je vois, vous avez de l'air de glisser sur l'asphalte comme si c'est une patinoire. Oh, oui. Ça fait-tu mal? C'est comment planter en superbike? Zéro. Ben ça fait pas mal si tu commences pas à flipper et à tourner. Tu sais, ça fait juste glisser, ça fait pas mal. Je vois des vidéos où ce que les. Mettons, le bike, il wipe, puis là, le gars, il passe par-dessus. Là, ça a de l'air. C'est un high side, là, qu'on appelle. Okay. Ça fait mal. Ça, c'est rare que. Tu sais, je l'ai fait deux. Les deux fois, je me suis jamais fait mal, mais c'était juste à tomber sur la tête ou juste crush. Puis tu peux te casser. C'est quand même assez facile. Même si t'es padé, ça fait quand même mal. T'en connais-tu du monde, toi, que tu t'es entraîné avec ou que t'as coursé avec, puis qu'à un moment donné, ils ont eu un accident, ils ont plus jamais pu faire de bike? Ou... J'en connais une couple qui sont pétaillées, mais en motocross, pas en road race. Tu sais, des familles, okay, pas la même. Puis... Ouais, le motocross, je pense, ça pardonne un peu moins. Ouais, mais parce que tu vas pas. Tu vas vite quand même. Tu vas quand même vite. Mais c'est le bout que t'es pas mal moins protégé, premièrement. Puis, tu sais, même si t'as un casque, des bottes, à faire de même. Tu sais, moi, quand je vais faire du motocross, je mets des bottes, je mets des genoux, puis un casque. Le reste, c'est un jersey, des pants, puis des tigans. Tu sais, on a rien. Tout en haut du corps, t'as rien. T'as juste un casque. Puis... Ouais, c'est la même chose en downhill bike. Non, c'est ça. Comme l'année passée, j'ai failli me perforer la vessie. Genre, je me suis éclaté, là, je rentrais vraiment trop vite dans une petite run de jump à Saint-Sauveur que je suis habitué avec cette piste-là. Puis l'affaire avec la piste, c'est que c'est pas une piste qui est technique, c'est une piste avec des jumps puis des berms, tu sais. Fait que je rentrais vite dedans, puis j'ai overclear un jump. Puis je suis rentré direct dans un arbre, j'ai été capable d'esquiver, sauf que mon volant, il est rentré direct dans ma vessie. Puis comme tu dis, tu sais, moi, quand je fais du DH, j'ai mon full face, j'ai mes gants, puis j'ai des pads, genre, je pense, pour mes tibias. T'sais. Mais ouais, tout le reste, je veux dire, si je rentre à 60 dans un arbre, là, ça pardonne pas. Là. Non, ça pardonne pas. J'imagine en superbike, vous avez. C'est-tu du Kevlar que vous avez comme. Non, c'est du cuir. C'est du cuir? Oui, des sortes de cuir. Il y en a de vache, mais il y en a aussi en kangourou. Mais ça protège moins. C'est plus souple, par exemple. Mais ça protège moins. Nice. Puis toi, tu t'es jamais blessé ever en bike. L'été passé, à la fin de l'année, je me suis cassé le coude. Mais c'est la seule affaire où je me suis vraiment blessé. J'imagine juste t'as slidé puis t'as mal tombé. Ben c'était sur un départ de course, puis on partait, puis tout de suite dans le premier coin, c'est comme un petit gauche-droite bien serré en première vitesse. C'est quand même assez lent. Puis j'ai rentré, puis j'en ai passé une coupe par l'extérieur. Puis là, vu que c'était comme un gauche-droite, ben j'étais à l'extérieur. Fait que là, quand je revire à droite, j'étais en dedans. Puis là, il y en a un qui m'a comme fermé dessus. Fait que là, j'étais allé comme dans le gazon puis me suis planté. Puis il y a un gars qui m'a passé sur le bas. C'est là que ça a cassé. Ah! La façon que mon saut il est fait, tu sais, j'ai de quoi ici, mettons. Mais ouais, en dedans, j'ai rien. Puis j'étais de même, puis le gars, il m'a passé sur le bas. Puis ça a cassé comme les titus, là. Tu sais, des fois, quand tu t'as de la cote, ça fait mal. Calice. Le gars, il s'est excusé, ouais. Oh, oui, mais c'était un de mes amis, là. Mais okay, il avait nulle part où aller. Il s'est planté aussi, mais il avait nulle part où aller. Ouais, c'est ça qui arrive. Ben, tu sais, vous allez tellement vite que j'imagine que quand tu prends une décision, quelqu'un crash devant toi, c'est quoi, t'as une demi-seconde? Ouais, je veux dire. T'as quasiment pas le temps, c'est ça. T'sais... Surtout là, c'est un départ, tu sais, t'as 10 motos devant toi, tu vois rien, puis tu vois un gars à terre, bang. Ça arrive vite. Puis c'est comment l'adrénaline quand tu courses? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est quand même
débile ce que tu fais, là. Je veux dire, moi, je fais du stand-up, puis je rentre sur scène, puis genre, j'ai un kick d'adrénaline, tu sais, que dès que je rentre sur scène, jusqu'à temps que je finis mon 5 minutes ou mon 10 minutes, whatever, tu sais, mon adrénaline, il reste là. C'est-tu la même affaire en moto? Ou genre, à un moment donné, parce que, tu sais, vous faites des laps, right? Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, mettons, t'es comme « That's it, c'est correct, là, genre, I'm tuned in, j'ai plus besoin de worry about anything » ou tu stresses tout le long? Ben, c'est sûr que pendant une course, mettons, je stresse, mais, tu sais, dans les pratiques, si, des fois, c'est plus, si, mettons, ça va pas bien, tu sais, j'ai pas tant d'adrénaline, je suis juste, tu sais, j'essaie d'arranger la moto, tu sais, j'essaie de travailler avec mon mécano pour l'arranger. Mais quand ça va bien, j'ai du fun à côté, puis il faut l'adrénaline. Puis le bout que j'aime le plus, c'est, tu sais, nous autres, ça a tellement de power que ça spin en sortant des coins. Tu sais, ça vire de tour un peu. Fait que là, le bike, il passe à slide une petite affaire. Puis, tu sais, avant ça, moi, je roulais tout le temps en petite moto. Fait que si t'arrives de, tu sais, si tu slides, ben, tu vas te planter. Avec des grosses motos, puis plein de power, tu sais, ça spin, mais t'es capable de le contrôler vu que t'as tellement de moteur. Fait que là, ça, c'est comme tu sais, ça a donné un autre petit step d'adrénaline. Ça, c'est ouais, parce que, tu sais, je t'ai jamais vu en vrai, mais t'as pas de l'air super grand, super gros. J'imagine que tu mesures comme 5 pieds 8, puis tu dois peser 140 livres. Je l'ai tué à peu près, ouais. Okay. Fait que, un bike, c'est un 1000cc, j'ai raison. Ouais. C'est immense, là. Je veux dire, c'est du power en sacrement, là. Ouais, ça fait 180-190 forces. Ça tire. C'est ça, comme le. C'est ça que j'allais dire, j'imagine que tu donnes un coup de gaz et ça doit partir. Moi, mon petit frère, sa passion, il fait de la drift. Okay. Genre, il dépense beaucoup de cash dans ses chars de drift. Puis je peux pas te dire quel char il y a en ce moment parce que il change à chaque mois. Okay. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un genre de vieux BMW. Puis lui, justement, son trip, là, il me dit « Ah ouais, moi, j'aime ça arriver à 180 dans une courbe. » Puis, c'est ça. J'imagine qu'il y a des fois, ça doit être un petit peu similaire. Tu sais, je veux dire, ça doit être débile rentrer. Tu sais, maintenant, tu rentres à combien dans une courbe? Tu sais, je veux dire, je sais que tu vas dans le chiffre puis tout, mais... À quel point ça peut être débile? Là. C'est comme tu rentres ça à 200 dans une courbe? C'est... Ben, c'est le plus hot que je trouve, mettons, là, que je suis en contrôle, mais que je me dis, j'ai hâte que ça break. Mais quand tu arrives à 250-280 dans un coin après, il faut que tu break. Moi, c'est ce qui est vrai que je trouve ça hot. Tu arrives au fond, tu lâches un gars, tu break, tu donnes le chiffre. Là, c'est le bike qui commence à bouger. Puis... Non, ça arrive. J'imagine que c'est comme, tu sais, faire de la course comme ça, c'est un peu comme faire une game de chicken. Parce que c'est de même que tu vas, tu sais, je veux dire, c'est ça qui va faire la différence entre terminer premier ou troisième, right? La personne qui est le game de plus caché juste avant la courbe. Ouais, il y a plein de techniques, mais c'est sûr que pendant une course, si tu fermes le gaz avant l'autre, et tu ne dépasseras jamais. Fait qu'il y a de ça. Mais en même temps, si tu fermes trop fort, ben, si tu fermes trop loin, ça va pas y avoir de rembarquer sur le gars. Il y a comme juste un milieu, mettons, à avoir. Mais c'est vraiment d'avoir la bonne technique puis de pouvoir le faire à tous les tours. Si quelqu'un qui est pas égal, il peut faire un tour plus vite que toi, mais des fois, il peut être bien moins vite que toi dans l'autre tour d'après. Fait que c'est pas ce monde-là qui gagne d'habitude. OK. Puis toi, depuis que tu courses au States, je veux dire, t'as du succès pas mal. J'imagine que t'sais, le monde doit commencer à savoir t'es qui. C'est comment être le young French Canadian qui course aux States puis qui gagne la Coupe en 2018, qui gagne la Coupe en 2019? Est-ce que t'as-tu plein. C'est comment la compétition? Genre, est-ce que c'est vraiment. Y a-tu une grosse compétition puis y a du monde qui hate, genre, ou everybody loves you puis c'est all loves? C'est comment le vibe dans le domaine de la course aux States? Ben, je me suis fait pas mal d'amis, puis ils sont tous bien smart. C'est juste qu'à un moment donné, ils disent que Calis, lui, il vient du Canada, puis il nous gêne. Mais... non, mais ils sont tous smart. Tous les gens sont smart. Puis, non, il n'y a pas.
Je regarde ça, mettons, la Formule 1, ils en font de même, ils ont tout l'air, ils font leur affaire, puis ils veulent battre tout le monde, puis ils parlent à personne. Mais dans le monde de la moto, c'est pas assez gros pour. C'est pas le NASCAR. C'est comme une famille. Tout le monde est une grosse famille, puis on a du fun. Quand les courses finies, j'imagine barbecue proche des. J'imagine rester tout à la même place, puis tout le monde est friendly. Puis... Il y a un de mes amis qui, lui, il habite en Californie. Puis c'est des Asiatiques. Puis sa mère a fait de la bonne bouffe. Là. Je sais pas comment ça s'appelle son affaire, mais c'est comme une grosse soupe. Puis là, c'est comme un bouillon. Puis il y a comme des nœuds là-dedans. Et la viande. C'est-tu un faux? Ouais, il dirait ça. Ouais, je me rappelle plus du nom. C'était bon. Ouais. Moi, j'adore les faux. T'habites où, toi, au Québec en ce moment? Dans quel à coin? Québec. OK, à Québec? Ouais. OK. J'allais te dire des endroits où aller à Montréal pour manger du faux, là. Mais, ouais, le faux, c'est vraiment fucking bon. Il y a un restaurant proche de chez nous qui vient d'ouvrir, là. Puis, ouais, moi, j'aime bien ça. C'est bon, esti. J'en ai jamais mangé de quelqu'un qui le fait elle-même ou lui-même. Ah, oh, c'est fucking bon. Puis, mettons, ses grands-parents, eux autres, ils habitent chez eux. Puis, OK. Eux autres, ils viennent du Laos. Je sais pas c'est quoi la langue qu'ils parlent. C'est pas la Thaïlande. Mais je pense qu'il parle laotien, mais peut-être que je me trompe. Non, je pense qu'on parle laotien. Puis, eux autres, leurs grands-parents, ils parlent que le Laos. Puis, tu sais, c'est drôle, tu arrives en dev, tu dis hello, puis ils te répondent en Laos. En tout cas. Puis, j'imagine, toi, tu dois être bilingue, français-anglais. Ouais, pas mal. Ben, depuis que je suis jeune, que je vais à une école bilingue. Okay. Je parle anglais et tout. Fait que j'ai quand même un peu de facilité. Je suis pas très bon à l'école, là, mais je me débrouille. Mais j'imagine que ça doit être tough être bon à l'école quand que. Tu sais, je veux dire, t'as pas la même vie que le monde qui va avec toi. Parce que là, t'es plus. T'es quoi, t'es au cégep, là? Ben, je suis jamais allé au cégep. Dans le fond, j'ai commencé mes cours d'avion, mais c'est des cours. Ah, c'est vrai, mais t'es terminé secondaire, puis dans le fond, t'as commencé tes cours d'avion. C'est ça. Ben, j'ai pris une année rien faire, juste faire de la course. OK. Puis, je savais pas que je voulais faire. Puis dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'au secondaire, c'est sûrement que t'avais pas la même vie que le monde qui était allé à l'école avec. Là. Non. Je veux dire, les autres, ils étaient comme « Ah, j'ai trop hâte en fin de semaine, je vais peut-être voir Stéphanie. » Tu étais comme « Je m'en vais en Californie rouler 280 sur une piste de course. » Puis après ça, je vais peut-être chiller avec une fille que son père, c'est un millionnaire, puis elle a une maison dans les hills. Non, t'avais des cool fins de semaine. Puis c'est sûr que c'est tough à être bon à l'école. Je veux dire, ça doit être stressant. Là. Puis, quoi d'autre que je veux dire, c'est ça. Fait que t'as été champion 2 années de suite. Mais, tu sais, comment que ça marche dans le fond? Ça, je vois, c'est des coupes. J'imagine qu'il y a plein de différentes coupes durant la saison. Ouais, mais dans le fond, comment ça marche? Moi, c'était la plus grosse série aux États. Okay. Ça s'appelle Moto America. C'est la plus grosse série nord-américaine de moto. OK. C'est ça que je fais. Puis, il y a cinq classes durant la série. Tu sais, à chaque fin de semaine, il y a 5 courses différentes. Fait que moi, je faisais la plus... Tu sais, en 2018, je faisais la plus petite, les Junior Cup. Après ça, t'as le Twin que j'ai gagné en 2019. T'as les classes de 600. T'as le Stock 1000, qui est comme un superbike, mais moins modifié, mettons. Qui coûte moins cher à faire. Puis t'as un superbike. Puis moi, l'été passé, tu sais, j'ai roulé en 300 pendant 3 ans de temps. Ouais. Les Junior Cup. C'est des 300 CC. Des cycles. Après ça, t'as les Twin, que j'ai fait en 2019. Puis l'année passée, en 2020, j'ai skippé les 600, puis j'étais allé en stock 1000 direct. Puis t'as-tu pu faire toute la saison aux States à cause du COVID? Comment que ça s'est passé? Ouais. Mais c'est pour ça aussi que j'ai resté une couple de mois là-bas, pour pas avoir fait quarantaine en revenant tout le temps. Ah, oh, nice. Ouais. Fait que c'était ta première saison dans le... T'étais-tu dans le 1000 ou dans le stock 1000? Stock 1000. Okay, la deuxième meilleure classe, maintenant. OK. Puis c'était comment? Parce que là t'es vraiment rentré, j'imagine, là, dans la cour des grands, si on veut. Là, t'sais. Oh, oui. Mais tu sais, en Twin, dans le fond, en 300, c'était tous des jeunes de mon âge, ou peut-être un petit peu plus vieux, mais pas tant.
c'est tous les parents qui triplent là-dessus puis qui amènent leurs jeunes aux courses puis les jeunes ils roulent vite. En twin, le trois quarts du monde, c'est des vieux bonhommes de 40-50 ans qui ont de l'argent pour aller aux courses. Ben, ces bugs-là, on pouvait faire, c'était quasiment comme Superbug. Tu fais tout changer comme tu voulais. Il n'y avait pas trop de restrictions. Fait que, tu sais, les bicycles, pour la grandeur que ça avait, ça tirait pas mal. C'était quand même hot. Puis, dans le fond, là, en 600, là, c'est là que ça commence vraiment, monde qui font ça pour, qui font ça comme job, mettons. Les premiers, là, leur travail, c'est ça. OK. Puis, le stock 1000, le calibre, il est, mettons, les trois premiers, c'est aussi fort qu'en 600, mais il y a juste moins de monde qui sont bons, mettons. Okay. Il y a juste moins de personnes dans la classe. Nice. Ça a été comment ta première saison là-dedans? C'était, tu sais, de passer d'un twin là, que ça a 80-90 forces à un bike qui a 180-190 forces. C'était une pas pire différence. Hein. Mais à la fin de l'année, je voulais, avant que je me casse le coude, je roulais quasiment avec le meilleur de ma classe. Okay. Lui, il roulé en superbike l'été d'avant. Puis la seule ride qu'il s'est trouvée, c'était en stock 1000. Fait que, non, c'est un gars. Tu sais, là, cette année, il roule en superbike, mais il fait ça pour vivre. Okay. Et, non, c'est hot. Puis y a-tu une possibilité, mettons, c'est-tu encore possible, mettons, d'avoir une carrière là-dedans? Comme y a-tu une manière de faire de l'argent à long terme? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que, tu sais, je vais t'en parler plus tard. Je sais que là, en ce moment, tu fais tes cours de pilotage. Fait que j'imagine que tu vois peut-être ça comme un plan A ou un plan B. Mais ce serait-tu faisable d'avoir une carrière là-dedans, là, puis aller 100% en ligne, puis vivre de ça? Ça l'était il y a 10 ans. Mettons, il y a 20 ans, ça l'était. À mon âge, j'ai dans le temps que les cigarettes payaient les sponsors, hein, c'est ça? Il y avait de l'argent à côté. Ouais. J'ai parlé avec malade. J'ai parlé avec un gars qui, lui, est rendu en superbike, là, il fait ça comme, tu sais, c'est sa job. Puis il disait à 16 ans, tu sais, d'après moi, il était vite, là, quand il était jeune. Mais je dois pas être si off que ça de sa vitesse, mettons. À 16 ans, il faisait 200 000, US. À rouler en 600 pour des équipes. Tout le monde faisait autant d'argent. C'était hot. Master, c'est plus ça. Là. Mais tu sais, dans le fond, je suis curieux, j'y avais pas pensé avant live. Quand tu gagnes une coupe ou whatever, y a-tu une monétisation? C'est quoi tu gagnes? Tu gagnes-tu genre un trophée puis une photo avec des filles vraiment cute? Ou t'as-tu déjà gagné du cash? T'as-tu déjà reçu un chèque? Oui, mais dans le fond, comment ça marche à Star, vu que les équipes ont moins d'argent? Avant ça, tout le monde avait un salaire. OK. T'avais un salaire, tu avais ton chèque aux deux semaines ou à chaque mois, ou peu importe. T'as-tu déjà expérimenté ça, toi, ou jamais? Non, non, non. Mais depuis que ça a crashé en 2008, le monde, ils font plus de moto. Ils ont moins acheté de moto. Fait que là, les compagnies de moto, ben, ils vendent moins. Fait qu'ils ont moins d'argent à apporter aux courses. Ouais. Fait que là, t'sais, ils ont comme slacké le bout du salaire. Il y en a une couple encore, mettons les trois meilleurs en Superbike qui ont des salaires. OK. Ça reste pas mal là. Puis comment ça marche, c'est les compagnies, mettons Suzuki, Honda, Yamaha, ils donnent des contingences à chaque course, des bonus de course. Fait que mettons, tu gagnes tant, tu finis deuxième, t'as tant. Fait que c'est de même que les coureurs, ils peuvent se faire une paye. Mais avant ça, tu avais ton salaire plus ces bonus-là qui étaient plus gros qu'aujourd'hui. Fait OK. Tu sais, mettons, t'es un coureur que tu fais ça pour vivre, tu t'en vas une fin de semaine, puis tu te pètes la gueule avant de faire la première course, puis tu peux pas faire le reste de la saison, ben tu te fais pas une scène. Fait qu'il faut que tu ailles smart. C'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, je me trouvais un plan B, premièrement. Tu sais, moi, mettons, il y a 2-3 ans, je me voyais faire ça le reste de ma vie. OK. Tu sais, j'ai commencé à penser un peu plus côté monétaire, mettons. Tu sais, je peux pas. Tu sais, le monde que je connais qui sont bons, mais pas assez bons pour percer vraiment et gagner tout, mais qui font ça de leur vie. Tu sais, la moitié reste en appart, puis ou avec leurs parents, mettons, puis ils sont déjà rendus à 28 ans, mettons. Tu sais, ouais. Ils ont un petit chat, ils ont. En tout cas.
Mais tant que pas trop chier sur le monde de 28 ans. Tant que pas trop chier sur le monde de 28 ans qui habite avec leurs parents, parce que là, moi, je suis retourné chez ma mère. Non, je te dis, mais j'ai 28. J'ai 28, puis je suis retourné chez ma mère, c'est à cause du COVID, mais c'est pas la même affaire, là, tu sais, comme... Je m'en allais m'acheter une maison, je me suis séparé de mon ex, puis j'étais comme, ah, j'ai pas le goût de payer 1000$ pour un appart tout seul. Mais ouais, j'ai 28, puis je suis chez maman. Whatever. Non, mais moi, je parle vraiment. Tu sais, t'as pas un goût de savoir, mais tu sais, à un moment donné, tu veux. Tu sais, mettons, t'as un petit job et tu veux, à un moment donné, t'as un salaire, puis t'es payé tout le temps. Tu sais, à moins que tu travailles pas, là, mais quand tu travailles, t'as toujours ta paye. Tandis qu'en moto, tu le sais jamais. Puis surtout aujourd'hui, à moins que tu gagnes vraiment pas mal tout, c'est pas un gros salaire pour le nombre d'années que tu peux en faire. Parce que tu sais jamais que tu vas arrêter. Puis il y en a plein. La moyenne d'âge est entre 30 et 35 ans. Puis, quand tu arrêtes de travailler là-dedans à 35 ans, mais là, tu sais, si t'es pas fait des millions avant, tu te retrouves un job. En tout cas, c'était pas. Je trouve que c'est un domaine qui est vraiment trippant, qui est fun à côté. Mais le côté risque puis récompense, c'est pas le best, mettons. Mais t'es intelligent de penser à ça jeune. Si t'as 18 ans, puis déjà là, tu penses à qu'est-ce qui pourrait arriver plus tard, tu sais, tu prends déjà un point B, fait que ça, c'est vraiment bon. Ouais. Fait que, ben, c'est mon plan B, c'est l'avion. Mais ben, c'est sûr que... J'aimerais ça finir mes cours puis avoir ma licence de pilote commercial là, pour travailler, mettons. Fait que là, moi, mon but, c'est de faire, c'est de travailler temps plein dans l'aviation, mettons, ou temps partiel, ou peu importe, puis de faire des courses de moto. Ça serait le meilleur des deux mondes. C'est ça que je m'enligne, mettons. Puis à un moment donné, tu veux juste rouler vite tout le temps. C'est ça. Toi, t'es comme en bas de 200, c'est plate. C'est ça. À terre, des heures et au-dessus de 200. T'as-tu déjà piloté des avions? Oui. Okay, c'est comment ça? C'est plus épeurant piloter un avion ou piloter un bike? Oui. Mais tu sais, j'ai une vingtaine d'heures. J'ai fait mon premier solo il y a deux semaines. OK. C'est... Moi, je trouve que ça avance vite pas mal. Tu sais, t'es... On fait une couple de manœuvres, puis on va être tout de suite en solo. Mais c'est pas grave. Je trouve ça le fun. Fait que t'étais tout seul dans ton avion, personne d'autre avec toi. Personne. T'as-tu l'impression, genre, que t'as ta vie dans tes mains? Parce que oui. Oui. Ben, tu l'as déjà vécu en moto, mais en avion, c'est comme. Non, c'est vraiment. Oui. C'est. Non, c'est un autre. Je sais pas. Mais tu sais, en moto, ça faisait longtemps que je faisais de la moto, puis je sais comment contrôler une moto. Tandis qu'un avion, je comprends un peu les bases, mais j'ai pas beaucoup de pratique. Fait que mes réflexes, mon cerveau, il dit « Chris, tourne à droite. » Mais moi, mes mains, ils suivent pas. Fait que ça fait des petits moves bizarres, là, mais je m'en sors tout le temps. Nice. Puis, je pense pas que je me trompe, là, mais j'ai lu à quelque part que toi, tu donnais des cours, tu étais instructeur chez Fast Racing. Oui, mais dans le fond, j'ai pas encore donné des cours, mais ça commence dans un mois, à peu près. OK. Tu n'as pas encore commencé, mais tu... Non, pas encore, non. Mais l'année passée, j'ai... T'sais, mon coach, là, il s'appelle Jason Finmore. Puis lui, aussi, il donne des cours. Il a une école de moto. OK. C'est dans le fond, il appelle ça des one-on-one. T'sais, c'est un instructeur avec un... une personne qui va apprendre. Okay. À la fin de l'été, j'avais commencé avec lui de donner des cours. Ah, oh, nice! Ouais, j'ai trouvé ça le fun. Tu sais, j'avais jamais pensé à faire ça, mais je trouve ça le fun. Puis, un des amis de mon père, il a acheté la compagnie Fast Riding School, qui est les cours de moto. OK. Et il m'a offert de travailler. Ben, premièrement, il m'encourage cette année dans mon programme de moto. Puis, il m'a aussi offert de donner des cours avec lui cet été. Fait que j'ai hâte. C'est gros, ça. C'est cool comme summer job. Ben oui, c'est nice. Tu sais, il y a du monde, ils travaillent au McDonald's, puis toi, tu donnes des cours de moto. Ouais. C'est nice. Puis ça, j'imagine, tu sais, moi, j'ai été moniteur de snow. Puis pour vrai, je veux dire que ça doit être similaire. Puis tu vas juste faire de la moto, puis tu vas montrer à quelqu'un qu'est-ce que t'aimes. C'est vraiment cool.
Ah ouais, c'est le fun. Ah, j'ai hâte. Nice. Puis aussi, je lisais ça. Là, cet été, pour la première fois, tu vas courser au Canada, right? Oui. Oui. Le monde, tu sais, comme genre, je lisais une couple d'articles, pis tout. Le monde, ils ont l'air à dire que genre, le next contender, là. Je me rappelle plus des noms des gars qui parlaient, mais ils ont parlé du champion de 2019 puis du champion de 2020. Puis ça a l'air que genre, toi pis ces deux gars-là, ça va barder cet été. Ouais. J'ai hâte. Dans le fond, lui qui a gagné l'année passée, ça fait 25 ans qu'il gagne. Ben, mettons, ça fait 20 ans qu'il roule en avant. Il ne gagne pas chaque année, Wow. mais. Sauf que lui, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je vois la compétition, il connaît les tracks, moi, je les connais pas. Mais ça va être le fun. J'ai hâte. Il y a deux, trois gars qui sont quand même assez vite. Fait que. Ouais, c'est ça, le monde. En tout cas, dans l'article que j'ai lu, la personne qui l'a écrit a l'air très excitée. Ça a l'air que ça va être une bonne saison, là, puis que il y a un top 5, je me rappelle plus des noms, j'aimerais ça savoir, mais ça a l'air que tu fais partie du top 5, là, qui va se battre, puis ça pourrait être une saison vraiment excitante. C'est Oh, cool, ça. oui. C'est où? Parce que, tu sais, c'est au Canada, mais je veux dire, dans ma tête, il n'y a pas beaucoup de pistes de moto à Saskatoon. Peut-être que je me trompe. C'est-tu plus en Ontario? C'est-tu plus au Et BC? cette année, ça va être juste en Ontario. Il était supposé d'en avoir une en Nouvelle-Écosse. Puis ça a été annulé à cause du Nouveau-Brunswick. Quand tu traverses, c'était comme une quarantaine ou je sais pas quoi. Fait qu'ils ont annulé cette course-là, puis ils ont juste rajouté une autre course en Ontario. Fait que mes. Si l'Ontario en ce moment, ça va pas bien. Non, je sais. Fait que j'ai hâte qu'il déborde parce que moi, j'ai hâte Toi, de tu faire. dois stresser, tu dois être en train de dire j'ai-tu un été ou j'ai-tu pas un été? Ouais, mais dans le fond, tu sais, je vais avoir des contingences avec les courses. Mais, tu sais, là, c'est moi. C'est rendu mon programme. Fait que c'est moi qui achète mes pièces. Tu sais, j'ai des commanditeurs qui m'aident, là, mais. Tu sais, j'ai hâte de faire des courses pour aller gagner un peu d'argent. Ah, oh, parce que là, en ce moment, t'investis sur toi-même, là, Ouais, carrément. c'est ça. Ben, dans le fond, ben, tout ce que je mets comme pièce sur ma moto, si les courses commencent plus tard, c'est pas grave. Mais, à un moment donné, je mettrai pas de l'argent sur une moto juste pour le fun de moi-même. Fait que, Ouais. j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que les courses arrivent. Ben, premièrement, j'ai hâte de rouler. J'ai hâte de faire des courses. Ça va faire 6 à 7 mois facile. Je n'ai pas fait du road race. Fait que, j'ai hâte. D'habitude, c'est quoi le plus longtemps avant ça que tu avais fait sans faire de bike? Parce que j'imagine que tu vas aux États-Unis, Ouais. en Californie, fait que tu peux faire du bike l'hiver, fait que d'habitude, t'en fais tout le temps. Ouais. Il y avait un autre ami aussi que j'avais fait. Moi, je fais de la glace l'hiver, la moto sur glace. On a des. Wow, ça c'est sick, man. Ouais. Ça c'est vraiment nice. Ouais. Pas, mais là, ça, la moto sur glace, c'est pas des superbikes, là. Non, c'est des motocross avec des tires puis des têtes de vis, de visser dans Ouais, le ok. tire. Ouais. C'est ça que je pensais, juste que je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas Oh, non, de. c'est ça, c'est ça. Ok, ça c'est cool. Ouais. Puis toi, dans le fond, fait que dans le fond, dans ton garage, c'est quoi? T'as ton superbike, t'as un motocross à toi pour faire du fun? Ouais, ben dans le fond, là, j'ai deux bicycles de road race. J'ai deux bikes de road race qui sont deux pareils, qui sont à la shop à Sherbrooke de mon mécano. Ok. J'ai justement passé toute la semaine là-bas chez lui pour l'aider à préparer le bike puis le trailer, toutes ces affaires-là. Fait que là, mes deux bikes sont là-bas. J'ai deux motocross ici. Un qui est monté en motocross, puis l'autre qui est monté soit en flat track, qui est comme des ovales, en pousseur de pierre ou en terre battue. Sinon, je change aussi en super moto pour aller sur des tracks d'asphalte. Oh, c'est sick, ça. Puis ton motocross qui est monté en motocross, c'est quoi? C'est-tu. J'imagine c'est un 450, c'est un 250. C'est un 450, toi. Un 4 temps. Nice! Ouais. Ça va, ouais. Cool. Moi, j'étais supposé avoir un motocross. Ah, Toute ouais. mon enfant. Ouais, j'étais supposé en avoir un. Mon père, il m'a dit, ouais, quand tu vas avoir des bonnes notes, tu vas avoir ton motocross. J'ai jamais eu de bonnes notes. Fait que j'ai jamais eu de motocross. Mais tu sais, un downhill bike, c'est genre, je pense que c'est la deuxième meilleure chose à faire du motocross. C'est Moi, parce j'ai que un c'est cross country. similaire, là. J'ai pas jamais essayé de downhill. J'ai un cross country, puis j'aime ça faire des trails, là, mais. T'as jamais loué
Genre à Broumont, pas à Broumont, à Saint-Anne, parce que tu sais, c'est quand même rough Saint-Anne, là. Vous avez des belles pistes de downhill bike, tu devrais vraiment l'essayer. Pour vrai, là, c'est cool. Ouais, mais j'aime ça faire du motocross, fait que ça doit être quand même similaire. Puis... Ouais, ben c'est la. Pour vrai, faire du downhill. Ben tu sais, peut-être que tu trouverais ça plat, parce que tu serais genre, hey, d'habitude j'ai un moteur, puis je peux crisser ça dans le patch, mais faire du downhill, c'est comme similaire, parce que tu es dans rush. T'es dans les racines, t'es entre les arbres, tu sais, je veux dire, tu peux aller quand même potentiellement très vite, là. Fait que je veux dire, c'est sûr que c'est similaire. Moi, du motocross, j'en ai fait une couple de fois dans ma vie, mais pas assez. Mais genre, quand j'étais jeune, mon meilleur ami, il faisait des courses de la FMSQ, puis je le suivais avec sa famille, puis elle se dit que c'était hot. Fait que c'est pour ça que... En junior, là, en 125, sûrement? Ouais, ben, je veux dire, moi, on était jeune en esti quand il faisait de la course. Fait que je veux dire, au début, il était genre en 80 ou en, je pense, ouais, c'est 85, ouais. C'est ça? Ouais, t'as-tu, c'est, ouais. T'es en 85, puis après ça, mené juste, je sais pas s'il a continué à courser en 125, mais sûrement. C'est sûrement qu'il a coursé. Non. C'est sûr que, ouais, non, il coursait en 125. Je pense qu'il a arrêté rendu en 250. Okay. Tu sais, lui, il a fait, c'est pour donner une idée de son âge, là, dans le temps que le super motocross c'était fucking cool, genre, ouais. Il l'a fait, genre, il a coursé en 65cc ou en 50cc, genre, au stade olympique, tu sais. Okay. Il était plus jeune. Ouais, il avait commencé fucking jeune, puis je le suivais dans ses courses, puis tu sais, c'est pour ça que ça m'intéressait, toi, tes histoires à toi, puis tout aux États-Unis, parce que je sais c'est quoi la vie de, tu sais, vivre dans un RV un petit peu, ouais. Faire des feux avec le monde, c'est fucking nice. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Puis, ouais, puis en mountain bike, il l'avait avant. Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était la... Je pense que c'est CFSQ, whatever, là. Puis il y avait des courses de downhill partout au Québec. C'est pas tant que ça, mais t'avais Bromont, t'avais Tremblant, t'avais Lens-Saint-Jean, après ça, t'avais Eldouest. Fait que t'en avais au moins 4 ou 5 durant l'année. Puis, il n'y a pas d'argent là-dedans. C'est ça, tu sais, je veux dire... Ah, c'est pour le fun. Ouais, ben c'est ça qui arrive, tu sais. C'est mort un petit peu parce qu'il n'y a pas de cash là-dedans. T'sais, c'est comme, tu sais, tout ce que tu m'expliques, que tu sais, comme les courses de moto, ça l'a amené, c'est devenu moins... Il y a moins eu d'argent, puis ça l'a... C'est pas comme avant, mais ça l'a fait un petit peu ça avec le mountain bike. OK. Avant le mountain bike, il y avait genre une grosse industrie puis tout, puis l'année, les courses ont juste disparu. Puis ça recommençait à revenir avec le COVID, sauf que. Ah, tu peux pas trop faire des rassemblements puis des courses de following. Non, c'est une mauvaise année. Non, c'est une très mauvaise année, le COVID. J'ai hâte que ça finisse. Ouais, mais c'est ça, toi, tu sais, j'en parlais un petit peu, t'as eu 18 ans durant l'année du COVID. Ouais. Tu te sens comment par rapport à ça? Genre, t'es-tu frustré? Ouais, ben, mais tu sais, au lieu d'aller avec mes chums au bord, ben là, on fait des trips au chalet, des affaires de même. Ça revient au même. C'est même, pour le reste, je trouve ça quasiment plus le fun. Tu sais, on est au chalet, un de mes amis a un chalet à tête full mind. Tu sais, t'es comme déconnecté, t'es dans le bois, t'es déconnecté du monde, puis je trouve ça le fun. T'as ta petite caisse de 12, puis. Et ouais. Nice. Puis, qu'est-ce que je vais te demander d'autre? Toi, dans le fond, quand tu fais du motocross, c'est quoi que tu aimes faire? T'aimes-tu ça? Tu fais-tu du freestyle, genre? Tu fais-tu plus de la track? Ou... Ben, en motocross, je suis pas bon. Ah non? Fond, j'en ai fait. Quand j'étais jeune, j'en faisais, puis j'étais pas. Tu sais, j'étais moins vite que... J'étais dans la moyenne, mettons. J'étais pas vite, j'étais pas arrêté. Puis, ça faisait 4-5 ans, mais pas fait. Puis cette année, mais j'étais avec mes amis à une track, avec mon pit pipe. Puis, genre, je vais faire la piste pour enfants pour le fun, ça va juste être drôle. Puis, à la fin de la journée, mon ami, il dit, c'est mon BC avec sa grosse track. Puis, là, je dis, Chris, ça fait 4-5 ans, mais pas fait. Il dit, ah, vas-y. Fait que là, je fais ça, là, je fais des jumps, là, je trip. Puis mon 450 était monté en bac de glace encore. Fait que je pensais juste de le laisser le même tout le temps. Fait que là, je dis, ah, je vais mettre mon 450 en motocross. Fait que là, c'est un samedi. Fait que le soir, j'arrange mon bicycle, mettre en motocross. Samedi matin, dimanche matin, il était tout prêt. Ça en va à plus de motocross avec ça. C'était le fun. Fait que là, j'ai fait une couple de fin de semaine de même. C'est le fun.
Puis j'imagine qu'il faut que tu fasses attention parce que un 4,50 en motocross, tu peux te faire mal en esti. Ouais, tu peux. Ben, tu sais, moi, je suis habitué avec un 1000, fait que de manager le gaz, mettons. Ouais. C'est pas facile, là, mais au moins, je m'attends à comment de power il va sortir du BC. Fait que je connais les bases du motocross pour pas respecter la gueule, pour essayer de garder la moto le plus droite possible. Fait que, tu sais, en allant pas trop vite, puis en essayant pas les jumps que je sais que je suis capable d'éclairer ou que ben, le BC qui est capable de le faire, là, mais que moi, ça part croche un peu, je serais jamais capable de le ramener. Fait que, juste de pas, tu sais, je fais des jumps, mais je suis pas le gars qui va whipper ça sur le side pis tout. Fait. Ouais. Quand j'étais jeune, genre, ça n'existe plus parce que dans toutes les villes, il n'y a plus de pit. Puis ils ont mis des condos partout, mais moi, où j'habite, il y avait un pit avant quand j'étais quand même fucking jeune. Puis à un moment donné, il y avait du monde qui avait amené une rampe, quand même une bonne rampe, là, tu sais, on va dire un genre de 8-10 pieds. Okay. Il avait crissé ça loin du landing, puis à un moment donné, il y avait un gars, il était bon, puis il était cool, puis il venait d'avoir un Yamaha YZ250, tu sais. Puis, Estiman, il a over-clearé. Ah, oh, ouais. Ah, là, là. Il a over-clearé le jump. Il a landé, là, ses deux pieds, ses deux jambes, ils ont cassé. Sur le moment. Puis on était tous là, genre. Puis moi, c'est là que je me suis dit, ah, finalement, dans le fond, je veux peut-être pas tant un motocross que ça. Ça, c'est. Ouais. Ça, c'est. Mais ça va vite. Tu sais, parce que comme qu'on disait tantôt, quand tu tombes en moto. Tu sais comment tomber, puis t'es capable de juste rouler, puis tu glisses. Mais quand tu tombes en motocross, normalement, genre, soit que tu overclear, soit que tu casses un jump, ou soit que tu ouais, ça fait mal. Ouais, ben à chaque fois que je tombe en motocross, ça finit tout le temps avec un poignet dans le ventre. C'est tout le temps ça. Okay. Tu passes par ses poignets, puis t'atterris dessus, blessé. En tout cas, c'est pas trop agréable. Non. Ben, la plupart du temps, quand je tombe, c'est dans les coins. Je manque de ballon un peu, puis soit j'étouffe le bicycle ou peu importe. Fait que là, ça tombe sur le côté, mais tu sais, ça fait pas vraiment mal, là, mais juste un petit bleu. Là. Tu t'en vas t'accoter dans la moto. Puis... En tout cas, je me suis jamais vraiment fait peur dans les jumps. Fait que ça, c'est pas pire. Nice. Ouais. Puis qu'est-ce que je voulais te demander tantôt, puis j'ai juste oublié. Tu sais, on parlait dans le fond des bikes, puis à quel point ça coûte cher. Ça coûte combien, mettons, un. Moi, je voudrais là, commencer à faire de la course. Je voudrais avoir un bike là, pour faire du stock 1000, mettons. Bon. Ben mettons, les vrais prix, là, ça serait les bikes. Mettons, t'achètes tout flambant neuf. Le bike... Ben... Oh! Ça, 20 000, le bike, t'as rien fait. Tu peux pas aller aux courses avec ça. Là. OK. T'as la moto. T'as un bon... 6-7 000 à mettre dessus. Pour qu'il soit prêt pour aller sur la track. Ben, 5-6 000, mettons. Avec toutes les bonnes pièces. Mettons, tu veux faire de la course. Puis là, t'as pas de tower. C'est 1500, mettons, la fin de semaine de tower. En tire, c'est 1500. Ouais. Juste les tires. Ben, t'as plein de sets là-dedans, mais tu sais, pour une fin de semaine de course. Sacrement! Ouais. OK. Ouais. OK. Après ça, ben, t'as aussi ta rente à la piste. Hein? Ouais. T'es pas en petit char, là. Ça prend un trailer. Puis... OK, quand même. Ouais, t'as le mécano aussi. Ouais, c'est ça, parce que t'as tout un team qu'il faut que tu payes. Là. Ouais. Ouais, c'est. Non, c'est pas donné. OK. Puis si on parle de cash, puis tu sais, si t'es pas à l'aise de me dire le montant, c'est cool, mais. Fait quand tu gagnes un titre, là, c'est quoi? C'est-tu 25 000? C'est-tu 50? C'est-tu une grosse poignée de cash assez pour que ça vaille la peine? Ou? Ouais. Tu t'en sors dans le positif. Ben, quand ça va bien, tu sors dans le positif facilement. Mais okay. Ça dépend vraiment des classes. Tu sais, quand j'étais jeune, c'était pas de gros montants. Mais. Tu sais, c'est quoi le plus gros montant que t'as gagné si t'es à l'aise de le dire? Ben, mettons, d'une shot, le bonus de championnat, c'était 15 000. Mais ça, c'était juste pour championnat. OK. Juste pour ça, t'as la plaque numéro 1. T'as pas en plus des courses que tu gagnes. C'est bon. Ouais. Tu te payes
tu te payes 10 fins de semaine de pneus. Oui, c'est ça. J'imagine que c'est le même que tu vois ça à un moment donné. Ah oh, oui. C'est quasiment. Nice. Puis dans la vie de tous les jours, moi, je suis curieux. C'est quoi que tu conduis comme char? Ou comme. T'as-tu une moto, toi? Ou... Pour... Ben, ma mère, elle a une moto. Elle vient de s'acheter une nouvelle moto, là, un nouveau KTM. Puis, je l'ai assis. D'après moi, j'en ai fait plus qu'elle. Alors, OK. Ouais. Fait que vous partagez. Oh, oui. Mais sinon, j'ai F-150. Oh, bon. OK, nice. Puis, quand tu conduis la KTM de ta mère, est-ce que tu te sens mal que tu ne conduis pas une Suzuki? Oui. Ouais. Il devrait t'en donner une. Il devrait juste dire, ah, tiens, il devrait juste donner un sport bike pour que tu ailles faire l'épicerie, là, tu sais, tranquille. Ouais, il pourrait bien. Puis sinon, toi, dans la vie, c'est quoi que tu aimes faire à part, tu sais, quand tu fais pas du bike ou quand... J'aime bien faire du skidoo l'hiver. OK. Ouais. Fait que tout ce qui est un moteur, dans le fond. Pas mal, oui, pas mal. À part du 4 roues, je fais pas mal de tout. Cool. Puis, tu sais, par rapport à... Je vais retourner un petit peu là-dessus. Par rapport à tes cours de pilotage, toi, c'est quoi que t'aimerais faire? T'aimerais-tu ça, genre, conduire des avions commerciaux ou... Ben, c'est mon but. Et dans le fond, quand tu sors de l'école, t'as 200 heures de, à peu près. Là. T'as 200 heures de vol. Mais les grosses compagnies comme Air Transat, Air Canada, ces affaires-là, c'est engage à 1000-1200 heures. Fait qu'il faut que tu fasses comme 1000 heures à travailler pour des petites compagnies. Comme, vite de même, je sais pas, là, mais ton Air Inuit, des affaires de même. Puis, tu vois que tu fais de la brousse ou peu importe. Mais il faut que tu travailles pour des petites compagnies pendant 1000 heures de temps. Avant d'être engagé par une grosse compagnie de transport commercial. OK. Fait que faut que tu conduises les petits avions qu'on dirait que tu vas pas. C'est ça. Tu vas pas sauver. Mais moi, je suis pas game de montrer dans ces avions-là. Je suis fucking pas game. Mon oncle, il a son permis, il a son avion, puis genre, il fait de la chasse, puis il tripe là-dessus, puis tu sais, c'est un gars de Shawinigan ou whatever, puis je sais pas où ce qu'il va, là, mais tu sais, il y a un camp de chasse à quelque part, puis il part avec son petit avion, là, qui est mini, genre, puis il va dans les airs. Mais moi... J'y crois pas à ça. Moi, je sais pas. J'ai l'impression, tu sais, c'est comme une... Je vois ça lever, tu sais, comme l'avion que t'as sur ta photo, comme j'ai vu un article que t'es dans un avion, c'est ta photo. Ouais, c'est pas gros, ça. C'est ça, j'allais dire. C'est petit, man. Ouais, c'est petit. Genre, t'es dans les airs, là-dedans. T'as même pas de parachute, si jamais ça chie. Tu peux même pas sauter. Non, t'es fait. Mais ça va quand même assez bien. C'est pas gros, là. Ça pogne dans le vent pas mal, mais ça va bien. Je me sens comme... Mais j'imagine que toi, t'es quelqu'un qui fait confiance aux machines. T'as pas le choix, là. Oui. Tu sais, je veux dire, quand tu roules 2,80 ou... Oui. Fait que... Ouais. Ben, c'est... L'avion, ça... Tout arrive quand même assez vite. Tu sais, il faut que tu sois tout le temps à l'affût ou... Tu peux pas rester là rien faire. T'es tout le temps en train de checker de quoi, t'es cadran, t'es... Surtout, c'est surtout, j'ai commencé à... Ben, je vais commencer à faire, mettons, la navigation, mettons, avec des cartes, des affaires-là. OK. Il va falloir que je me repère partout dans les heures. En tout cas, j'ai hâte d'essayer ça. Ça va être Mon père, à moi, il est contrôleur aérien. Ah ouais? OK. Ouais, pour Nav Canada. Fait que si jamais un jour... T'es dans les airs pis tout, pis que t'as des vols commerciaux. Tu vas parler avec mon père. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait en premier s'il a fait. Lui, il est allé dans l'armée canadienne. OK. Puis à partir de l'armée canadienne, il a fait ses cours pour être contrôleur aérien. Puis après ça, il est rentré chez NAV. OK. Ah, oh, c'est hot. Ouais, c'est cool. C'est stressant comme job, là, mais. Ouais, il faut toujours cool. Que tu sois à tes affaires pis. Tout le temps avec tes avions, là, mais. Puis toi, qu'est-ce qui te stresse le plus? Conduire un petit avion ou faire une course à 2,80? Parce que moi, dans ma tête, je trouve le risque est pas mal similaire. Là. Ouais, les deux, c'est des activités que si jamais ça chie, tu vas... Les deux, si ça va au worst, tu vas mourir. Mais j'imagine que c'est ça qui
t'excites? Ou... ouais, mais mettons, la il ne faut moto, pas que tu penses à ça non plus, là. Non, mais la moto, je trouve, il n'y a pas... tu sais, ça arrive des bad luck des fois, mais je trouve que c'est quand même sécuritaire. Ouais, mais je pense pas qu'il y a pas beaucoup de gens qui sont morts en faisant du superbike, je pense. Non, puis à chaque fois qu'il y a eu des morts ou des accidents hier, c'est tout le temps des affaires que tu vois jamais. C'est pas le gars, il tombe ben normal dans une courbe, puis il se casse le cou, des affaires dans le même. C'est vraiment du monde qui il a un problème de moto, puis il continue tout droit, tout le gars, et je sais pas quoi. Là, en tout cas, il continue tout droit, puis il fesse un mur où ils se font passer dessus. Tu sais, des affaires que c'est rare, ben rare que tu vois. C'est des bad luck, là, ça arrive, mais les chances qu'il m'arrive de quoi sont pas grandes, je pense. Ben, c'est une bonne mentalité. Oh, puis en avion aussi, je trouve que c'est pas mal sécure. T'es tout le temps en train de checker tes affaires, tu sais voir si le moteur est bien correct. Puis à chaque fois que tu prends l'avion, tu fais un check de tout l'avion au complet. Fait que t'es aussi au tendeur, il faut que les mécanos repassent l'avion à des places spécifiques. Puis moi, je trouve que les deux, c'est pas mal sécure. T'sais, c'est sûr que quelqu'un qui est anti-moto et qui ne veut pas toucher à ça puis qui ont peur de ça, ils disent ouais, c'est dangereux. Mais c'est sûr que en faire dans la rue, moi je trouve ça quand même assez dangereux. T'sais, t'as des chars, tu contrôles pas tout. Tu as des chars, il y en a qui textent au volant puis qui. Il y en a beaucoup d'accidents. Parce que l'affaire, c'est que les accidents de moto sur les autoroutes puis dans les rues, c'est souvent mortel. C'est ça l'affaire qui arrive. T'es moins. Il y a des chars, Chris, qui peuvent te foncer dedans, puis tu n'as pas de cockpit. Non, c'est ça, c'est direct. Tandis qu'en moto, en moto de course, quand tu tombes, premièrement, tu es bien habillé, parce que tu es obligé de tout être bien habillé. Mais tout le temps, tu as aussi du dégagement. T'sais, tu tombes, puis tu vas glisser jusqu'à temps que tu arrêtes. Tandis que ça arrive, tu as des chars, tu as des poteaux de lumière, tu as des bâtisses, tu as un chemin de trottoir, tu as des garde-fous, tu sais, c'est... Puis aussi les pistes, tu sais, nous autres, c'est, on enlève le Preston dans nos radiateurs puis on met de l'eau pour pas que, quand ça, mettons, ça coule à terre pour que ça soit luisant. Puis on faut qu'on mette des, ouais. Puis on met aussi des tiroirs en métal sur nos plugs, mettons, à l'huile, des affaires de même. Fait que la boat, elle peut jamais dévisser au complet. C'est vraiment, tu sais, les chances qu'il y ait, faut que tu sautes un moteur, mettons, puis ça pète partout pour que l'huile tombe à terre. Mais okay. C'est vraiment sécure, tu sais, la tank est tout le temps bien nettoyée. Puis, tu sais, tandis dans l'huile, tu sais, il y a des affaires des marbres de char, puis tu sais, t'as de l'huile un peu à terre, t'as du sable partout, t'as du calcium qui nettoie pas à moitié. Puis, tu sais, même s'il n'y avait pas de char, là, puis je roulerais pas au fond dans l'huile, ça, c'est sûr. En plus, ben, t'as nos boss, on a nos belles rues du Québec, là. Fait que ça aide. Ouais. Puis tu penses quoi que, ben tu sais, je sais pas si toi ça t'affecte en ce moment, je sais que mon frère lui est en crise beaucoup à cause de ça, tous les autodromes pas mal sont en train de fermer au Québec, les pistes de course. Ouais, lui il va aller, je sais pas si ça fait à Saint-Eustache, c'est fermé. Ouais, ouais. C'est fermé, ils ont vendu, ben, je pense que c'est Hydro-Québec qui pose des lignes électriques. Là, moi j'habite à côté de là, j'habite okay, à okay. 15 minutes de Saint-Eustache, à Blainville. Okay. Puis mon petit frère, il passait sa vie au drag, sa piste de drift à Saint-Eustache. Puis là, faut que, tu sais, il en fait à Icar, puis je pense qu'il en fait dans le coin de Québec. C'est-tu Napierreville, je sais pas. Mais. Okay. Peut-être Montmagny? Ouais, drette ça, ouais. Montmagny. Ouais. Mais tu sais, encore là, il est en crise parce que là, il y a plein de styles. Avec le COVID, il y a des restrictions, puis tout, puis il peut pas y aller, puis tu sais. Il vient investir 11 000 piastres dans son char, son trailer, puis tout. Puis là, il y a un char de drift qui peut pas rouler dans la rue sur un trailer. C'est ça, puis il est fâché. Puis tout le monde en ce moment au Québec, je ne sais pas tout le monde, mais tout le monde qui tripe sur les chars, la moto, puis tout, ils n'ont plus d'endroit où aller. Si tu es chanceux, puis tu t'appelles Alex, tu peux aller aux États-Unis, en Californie. Tout ça t'affecte pas vraiment, j'imagine. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr que là, tu sais, une des raisons pourquoi je reste au Canada cette année, c'est, tu sais, pour moi, j'ai pas trouvé de ride pour l'année prochaine, pour cette année aux États. Mais aussi, tu sais, je voulais commencer, tu sais, je voulais pas faire 50 ans à pas aller à l'école, juste faire des courses de moto, puis espérer que ça marche. Ouais. Fait que là,
T'sais, je savais pas trop quoi faire. Puis le demi-frère de mon père, il est pilote de ligne pour la Transat. Fait que, t'sais, ça Okay. m'intéresse. T'sais, je voyais, il a une maison, puis il fait du ski de l'hiver, t'sais, il est capable de se payer qu'est-ce qu'il veut. Fait que là, je me dis, Chris, je serais bien de même. Fait que là, j'ai décidé de faire mes cours. Fait que là, sauf que là, t'sais, j'étais à Québec. Fait que, t'sais, je profite pas des États qui n'ont pas besoin de masque nulle part, puis tout est ouvert, là, mais. Ouais, ça doit faire chier de plus être aux States. Oui. Ah oui, je me rappelle l'été passé, je pense que c'était en juin. Je sais pas à Québec c'était comment, mais moi je rentrais au Walmart pas de masque, puis tu sais, c'était pas obligatoire. T'avais une petite OK. bouteille de Purell, mais t'es pas obligé d'en mettre, puis pas de masque, ça allait bien. Mais c'est ça. C'est clair. Puis tu sais, t'as habité aux États-Unis pendant quand même un petit bout, puis tu sais, t'as été là souvent. C'est quoi l'affaire, genre, la plus cliché États-Unis fucked up que t'as vu, genre? T'as-tu eu des moments que t'étais comme, ah, c'est qu'on est aux États-Unis? Ben, ça dépend des États, mais mettons, au Texas, j'ai un de mes amis qui habite au Tennessee. Puis là, OK. il est rentré dans l'armée, mais avant Tennessee, c'est très redneck un petit peu, ça, non? c'est comme, je suis pas sûr, mais je pense que c'est vis-à-vis de Texas, mais une couple d'États plus haut. C'est un peu plus froid. Juste un petit peu plus raciste. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, lui, il doit, tu sais, il y a un R, 15 dans son garde-robe. Il y a un M1911. Il y a un Glock. Il y a des affaires de même. T'sais, il me sort ça dans sa chambre. Il dit, il check voir s'il n'y a pas de balle. Il dit, tiens, prends-les. Et moi, j'étais. Quand ça t'arrive, t'es dans la chambre de ce gars-là, tu dois vraiment dire tabarnak. Il va-tu me tirer dessus à soir pendant que je dors? Non, ben non, là, j'ai ben je suis Il est content. gentil finalement. Ouais. OK. Mais c'est quand même des. Ça doit être quand même débile que tu vois que pour lui, juste c'est normal. Oh, et c'est tout le monde, tu sais, même sa mère, elle a un petit pistolet dans sa sacoche, puis c'est le même, là, tu sais. Donc, quasiment, pas en Californie, le monde n'a pas de gun, là, parce que je pense que t'as pas le droit. Mais dans tous ces états-là, là, tout le monde, je sais pas pourquoi, mais tout le monde triple là-dessus. C'est Ouais, parce que je sais pas, il aime ça sur le. Il fantasme sur le fait de se défendre eux-mêmes. Il aime oh. crissement ça. Ouais. Puis c'est cool en même temps parce que, tu sais, quand tu y penses, moi, j'aimerais crissement ça avoir un petit gun dans ma table de chevet. Si jamais il y a du monde qui walk in, boum, boum, c'est fait. Mais l'affaire, la raison pourquoi tu peux pas, c'est parce que t'aurais plein de styles d'imbéciles qui se mettraient à tirer sur le monde parce que, genre. Pour des histoires stupides, ah, ta musique est trop forte, crise de voisin, puis là, genre, tu sors pour aller les voir, puis ils sont agressifs, puis là, il y a du monde qui sortirait leur gars. Mais c'est ça qui arrive aux États-Unis. Oh oui, il y en C'est a, dans ça... le fond, je viens de te décrire qu'est-ce qui se passe aux Oh States. oui. Tu sais, c'est tout le temps ça, là. Aux States, je veux dire, tu sais, j'ai écouté plein. Moi, j'aime ça écouter les affaires fucked up qui se passent aux États-Unis, puis t'as tout le temps genre un vieux monsieur de 45 ans, il trouve que genre les voisins sont désagréables, ils font du skate devant la maison, puis la manée il sort, puis il en tire un. Tu sais, what the fuck. Mais c'est ça qui arrive quand t'as accès à un gun. Au même point que je trouverais ça cool de me défendre. Tu sais, je veux dire, au Québec, tu peux pas avoir accès à des guns. Je veux dire, déjà là, tu sais, Chris, en ce moment, c'est fou comment il y a plein de dudes durant la pandémie qui genre. Qui tuent leur blond. Je pense qu'on est rendu genre à 11 féminicides au Québec. Ah ouais, ok, j'avais Ah, pas c'est vu. débile. Mais tu regardes pas les nouvelles, c'est bon. Tu fais bien, man. Ouais, non, au Québec, est-ce on. Les gars, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Je veux dire, ils attaquent toutes leurs blondes, puis. Heureusement qu'on n'a pas de gun, parce que ça va mal. C'est pas Non. Non, c'est fucking triste. C'est pas nice. OK, mais. Dans le fond, avant de terminer, quoi d'autre que je voulais te demander? J'ai une couple de questions là, que je vais te demander encore, là. Ouais, dans le fond, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière en moto? C'est quoi le moment que, genre, pour toi, ça vaut des millions, là? je dirais. Bon, hey, c'est dur à dire. Mon premier championnat en 2018, ça j'ai trouvé ça.
Quand t'as gagné pour la première fois. Ouais. J'ai gagné, c'est dans la pluie, j'ai fini la course. Je crois que j'ai fini septième. Parce que ça, c'était le dimanche, mais le samedi, j'aurais pu gagner le championnat. Si j'aurais fini dans tel nombre de personnes, mais je me suis planté. Je voulais en avant, tu sais, je voulais gagner la course que j'avais gagné le championnat. Mais finalement, je me suis planté. Puis là, dans la deuxième course, le lendemain, je pense qu'il pleuvait encore plus. Et là, j'étais trop chicken pour rouler en avant. Fait que là, j'ai slacké. Puis, en tout cas, j'ai fini septième, mais j'ai gagné le championnat pareil. Fait que je suis resté. Ok, t'as fini septième, mais t'as quand même pu gagner. Ouais, ben j'avais assez de points pour gagner le championnat. C'est comment tu sais rouler dans la pluie? C'est quoi, il pleut puis ils font les courses pareil? Ils s'en crissent de votre sécurité? Bon, on a des tailleurs de pluie, ça colle quand même pas peu. C'est pas terrible, mais tu sais, on roule. J'ai que je roule aussi vite que comment je roulerais ça a eu l'été. Non, ça fait pas du. Tu sais, en char, quand tu roules trop vite dans l'eau, ça fait du. Comment t'appelles ça? Là, water planning, je suis pas trop. Ouais, water planning, exact. Ouais. Ça fait pas ça en moto? Ouais, ça fait ça. Puis tu roules à 200, puis tu water plan. Oui. C'est. Ok. Fait que ouais. Ton espérance de vie, dans le fond, c'est 27 ans. Ouais, mais. Ouais. Oh fuck. Mais c'est comme, tu sais, t'as pas une grosse marge de manœuvre. Tu sais, le sur le sec, le cul il commence à partir, tu lâches le gaz, puis il va revenir. Ouais. Quand c'est à pluie, ça part quatre fois plus vite. T'sais, dès que ça commence à slider, c'est fini. Ben, ouais. c'est comme moi, on the age, quand je fais du downhill bike, ça pluie. T'arrives sur une. Tu sais, mettons. Parce que souvent, quand tu descends, tu vas arriver sur des slick rocks. Ouais. Sur une grosse roche, tu sais, qui est plate et qui descend. Ouais, mais là, c'est mouillé. Si t'arrives là-dessus, c'est no break. Là. La non, seconde que tu mets les breaks. C'est exactement ça. OK. Wow. Quand ouais. Même. Mais on peut quand même break. Tu sais, en ligne, si la moto est droite, tu peux mettre ça au fond quasiment. Puis tu peux breaker fort. Tu peux être surpris comme en fond, on peut breaker ça plus. Mais dès que tu commences à pencher, lâche les breaks. Cool. Puis sinon, t'as-tu genre un pire moment ou un quelque chose qui t'est arrivé que t'as vraiment eu peur, que t'étais comme ah, peut-être que je voudrais plus. Jamais. J'ai jamais eu peur. C'est bon, ça. Point depuis enfant. Nice. Ouais. Ben, il y a bon. Des fois que, mettons, je tombais, puis la prochaine session, tu sais, je laquais un peu dans le coin que j'ai tombé. Là. Ça arrive souvent. Mais j'ai. C'est une petite peur, tu dis ouais, dans le coup j'ai passé là, je me suis planté. Mais sinon, je me suis jamais fait peur au point de dire j'arrête ça là puis ça me tente plus d'en faire. Mais il y en a plein qui, quand ça leur arrive, ils arrêtent ça là. Mais moi je sais pas. Je me suis jamais vraiment blessé car j'ai eu mon coude, là, mon affaire, mais sinon. C'est des affaires de rester un mois à l'hôpital, puis des affaires quand même. Ouais, mais c'est ça, tu t'es jamais genre pété la clavicule, puis le coccyx, puis les côtes, puis le genre. Non, c'est sûr. Non. Je suis quand même assez chanceux. Bon, on va frapper sur du bois. Ouais. Puis sinon, je pense que ça va être pas mal la dernière question. Tantôt, on a parlé, tu t'entendais bien avec tout le monde, mais il doit avoir genre la compétition, là. Il doit avoir un Chad. Avec les cheveux bleachés, que ses parents sont trop fucking intenses. Puis ce gars-là, il est avec Honda, puis tout est avec Suzuki, puis c'est genre. Ah! Non, ça arrive-tu? T'as-tu eu genre un ennemi? T'as-tu déjà eu genre un rival? Mais c'est pas pour me vanter, mais j'étais. Dans les deux classes que j'ai faites en Junior Cup et en Twin, j'étais pas mal plus vite que les autres. Tu sais, je gagnais facilement. Les autres, t'es juste fruit. Oh, mais tandis qu'il était passé, tu sais, le jour-là avec du monde vraiment vite. Ouais. Tu sais, j'ai connu ça. Tu sais, quand on est en dehors de la track, on roule avec nos scooters au fond des pits, puis on s'amuse. Tu sais, il n'y a pas. J'ai pas vraiment eu de rival, là, mais. Mais. Il n'y a personne qui n'aime pas. Ils sont tous ma. Cool. Mais c'est sûr que. Dans ma tête, j'imagine genre, tu sais, comme un film américain, pis y a un gars que ses parents sont full riches, pis genre,
ses parents sont full méchants avec, puis ils mettent full de pression. Finalement, le gars, il est full méchant avec tout, mais finalement, il pleure, puis il est comme je t'aime. Non. Non. Je regarde. Ah, ça serait drôle. Américain. Oui, ben, ça serait drôle, ça serait vrai, mais de ma connaissance, il n'y en a pas. Good. Ben, ça serait drôle, mais c'est très toxique. Comme cette personne-là, ce Chad-là, aurait pas une nice vie. Fait que je suis content que ça l'arrive. Je suis content nice. Cool. Fait que pour vrai, c'était vraiment nice de t'avoir sur le podcast, Alex. Si jamais on veut te suivre, j'imagine, t'as-tu une page Instagram ou. Oui. Dans le fond, ma page Facebook, c'est Alex Zuma. Puis sur Instagram, il est quand même un peu, ben, pas très compliqué, là. C'est Alex Zuma, bord en dessous, Racer 16. Malade. Fait que quand vous cliquez, puis vous voyez un petit gars en moto, c'est moi. Cool. Puis cette année, j'imagine, moi, je pense que tu vas dominer cette année-là. Moi, de ce que j'ai lu, ils t'attendent, puis il y a du monde qui stresse. Je pense que le gars de l'année passée, il est stressé, puis il est comme, fuck, je vais me faire voler mon titre. Ah oh oui, ben, je pense que d'après moi, il s'entraîne fort et il n'a pas hâte que la saison commence. Tu connais-tu du monde qui course avec toi cette année ou parce que tu n'as jamais coursé au Canada, fait que t'es un nouveau? Mais tu sais, d'après moi, ils me connaissent tous. Ils savent t'es qui, en esti. Ouais, c'est ça, ils savent t'es qui, puis moi, je sais c'est qui. Puis il y en avait déjà un gars qui avait gagné le championnat en 2019. Puis que cette année-là, moi, je roulais en twin, puis il était venu à une de mes courses à la fin de l'année. Puis lui, il avait roulé en stock 1000. Puis il avait fait, en tout cas, mettons, son meilleur tour, c'était une 28 flat, mettons, une 28.0, pardon. Une 28, 0, 0, 0, en tout cas. Puis moi, l'année d'après, en 2020, j'ai fait mon premier test de moto. Tu sais, on va avec l'équipe. C'est pas une course, c'est juste on essaie moto puis on setup la moto. Puis j'avais fait ça ces temps-là. Il y avait plus toute la journée. Puis à la fin de la journée, il y avait une session de sec. Puis j'avais fait ce temps-là. Puis lui, c'était son meilleur temps dans la course. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que tu sais, lui, il connaissait pas la piste. Puis moi, je connaissais ça. On ne trouve pas les pistes au Canada. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'après moi, ils ne me seront pas gagnés tranquille. Okay. Ouais, ben, tu sais, ils vont vouloir prouver un point. Parce que, tu sais, si tu arrives première année puis tu gagnes, je sais pas s'ils vont full t'aimer. Tu sais? Ils ont pas mal toute leur smart. Je n'ai parlé à 2-3, mettons. Mais il okay. Y a un gars qui habite à Québec puis que, tu sais, on va faire du motocross ensemble. L'hiver, on fait de la glace ensemble. Puis ça fait 2-3 ans que je connais, puis lui, il va rouler dans ma classe cette année. Puis c'est le seul d'enfant que je connais. Sinon, le reste, je ne connais pas. Mais c'est cool, au moins, t'as un friend, tu sais, pour te soutenir. Puis tu sais, c'est tough faire de la compétition. Parce que quand tu fais de la compétition, tout le monde veut gagner. Moi, ouais. Je l'ai fait un petit peu de la course, puis tu sais, c'était de la course downhill, puis je veux dire, j'étais pas dans l'expert, là, fait que tu sais, personne faisait du cash dans ma catégorie, mais le monde, il... C'est le fun d'avoir un partner parce que quand t'es tout le temps contre les gens, ça fait chier. Oh, ouais, non, c'est le fun de rire. Puis, mais quand on va en motocross, je suis pas bon, lui, il est hot. Mais c'est à la glace l'hiver, j'ai une petite coche sur lui, puis là, il était tout le temps là, le petit jeune, il roule. Mais c'est juste drôle, c'est juste le fun. Puis on se donne des trucs, on aide, on s'aide pour améliorer nos bicycles pour que ça aille un peu plus vite. Puis, non, moi, je trouve ça trippant. C'est le fun d'avoir du fun. Tu sais, si tu vas aux courses, puis. T'es juste là pour gagner, puis tu parles pas à personne, puis tu fais juste tes affaires. T'sais, peut-être qu'en bout de ligne, c'est peut-être que tu vas bien performer comme du monde, mais en même temps, si t'as pas de fun, c'est pas... Je sais pas. J'aime mieux finir deuxième, puis triper à côté, que tout gagner, puis trouver ça plate. Ah, oh, t'as fucking raison. Ouais. Puis, il y a quoi que j'ai oublié de dire sur le podcast, puis je voulais en parler, parce que... T'es le guest, la façon que je t'ai booké, c'est quand même fucking cool, tu sais. Ouais. Je savais pas que t'étais qui, sauf qu'à un moment donné, j'avais bu une coupe de drink, puis il y a eu une publication, genre de Mike Ward sous écoute, qui a posté l'épisode avec Guy Lepage. Puis, il y a quelqu'un qui a genre commenté de quoi dans les commentaires, là, puis
C'était sûrement genre style vendu ou quelque chose comme ça. Puis cette personne-là, c'était ton père. Ouais. Puis j'ai like le commentaire. Puis, tu sais, je fais mes shit. Puis là, 2 heures plus tard, genre, je check mes notifications. Puis, c'est la même personne-là qui a fait le commentaire que j'ai fait des émoticônes de rire. Ben, il a ri de mes statuts à moi. Puis, je dis, pourquoi il rit de mes affaires? C'est le même gars. Fait que là, vu que je suis immature, je suis allé sur son profil. Puis moi aussi, j'ai ri genre de 2 photos random, tu sais. Qui est genre randonné, là, avec sa blonde ou ta mère, whatever. Puis là, genre, plus tard, il m'inbox, puis je suis comme, what the fuck? Puis normalement, c'est à ce point-là que, genre, je me pogne avec quelqu'un de random sur Internet, puis on s'envoie chier. Mais au lieu de s'envoyer chier, j'ai eu une discussion avec ton père que je connaissais pas. Puis il était comme, ah ouais, tu fais de l'humour? J'étais comme, ouais, j'ai un podcast. Puis là, il était comme, ah, parlant de vroom vroom. Puis j'étais comme, ouais, vroom vroom. Puis il avait l'air de triper sur la course. Il était comme, ah, mon fils, il est champion canadien. J'étais comme, ah, que je pourrais l'avoir sur mon podcast. Fait que, tu sais, là, les gens à la maison, quand vous chicanez avec des gens random sur Internet, ben, 1 fois sur 10, ça va bien finir. Ouais. Ouais. Fait que c'est pour vrai, c'est fucking nice. C'est ma meilleure histoire. À date, c'est mon favorite booking. Demain soir, esti, j'ai Kevin d'Occupation Double que je vais filmer avec. Puis, je trouve ça sick, mais la manière que je t'ai booké, je trouve ça encore plus nice. Ouais. Ah ouais, tu vas parler avec Kevin demain? Ouais, ben, moi, j'aime pas tant Occupation Double, mais j'aime fucking Big Brother. Ok, j'ai jamais écouté ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Ok, ben, comment je peux expliquer Big Brother à quelqu'un qui a jamais écouté ça? Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ok, là, c'est parce que là, cet été au Québec, ben, cet été, l'hiver passé au Québec, il y a eu Big Brother Célébrité. Fait qu'ils ont pris des gens un petit peu connus. Ils ont crissé dans une maison, puis ils faisaient Big Brother. Mais Big Brother, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est des gens qui se connaissent pas. Ils vont prendre habituellement des gens très différents. Là, fait qu'ils vont prendre quelqu'un genre de... qui tripe sur le gym, puis c'est un gars full douchebag, ils vont prendre quelqu'un de très gay, ils vont prendre genre un trans, whatever, puis là, ils crissent tout dans la même maison, puis il y a des activités, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui gagne l'activité, ils mettent 2 personnes à risque, une de ces 2 personnes-là quitte, jusqu'à temps qu'il reste une personne, 2 personnes dans la maison, puis après ça, le monde décide qui gagne, puis là, le gagnant gagne, au Québec, c'est 100 000, au State, c'est 500 000, tu sais, mais okay. Genre, c'est genre une expérience sociale. Puis, ouais, c'est cool. Puis cette année, dans le fond, il y avait Big Brother Célébrité. Puis il y avait du monde, genre, il y avait Marie-Chantal. Ben, tu sais, tout est jeune. Tu sais qui, Marie-Chantal Toupin? Non. C'est nice que je sache pas c'est qui, Marie-Chantal Toupin. C'est genre une rockeuse. Elle doit avoir 50 ans live. Yeah. Mais, ah, c'est elle. Mais ton père, il sait trop c'est qui. Puis ta mère, sait trop c'est qui, là, genre... C'était comme si c'était une fille blonde, elle faisait des chansons de rock là, dans le temps. Early 2000. Early 2000, c'était genre la fille qui était les chanteuses. Tu sais, mettons, était pas au même level que Céline Dion, mais c'était genre la version Wish de Céline Dion. Okay. Marie-Chantal Toupin, c'est la version Wish de Céline Dion, mais un peu plus raciste. Puis ouais, puis parce que dans le fond, elle s'est faite sortir de la maison parce que genre une soirée, elle avait bu de l'alcool, puis elle avait pris des médicaments. Puis genre une autre madame que tu connais pas qui s'appelle Varda a travaillé à Musique Plus dans le temps. Tu sais pas c'est quoi Musique Plus parce que t'es trop jeune. Tu sais quoi Musique Plus? J'ai déjà entendu le nom, mais je sais pas. Ouais. C'est un channel... poste de télé qui met genre pas des concerts ou des affaires de même. Des musiques vidéo, mettons. Ouais, mais c'est un channel qui est mort, genre, officiellement, quand t'avais, genre, 15 ans. Puis c'est un channel qui était cool quand t'avais 7 ans. Fait que, genre... OK. Tu sais, genre, moi, c'était... Quand j'avais 15 ans, c'était fucking nice. Comme c'était un... Musique Plus, il amenait, mettons, des artistes. Genre, des chanteurs, là, tu sais, comme... À un moment donné, ils étaient cool dans le temps. Ils les amenaient, ils faisaient des prestations. Il y avait plein d'émissions sur la musique. Ils présentaient des vidéoclips. Sinon, il y avait des affaires fucked up. Mike Ward s'est genre fait connaître un petit peu à Musique Plus. OK. Ouais. C'était un peu plein de monde. Puis... Okay. Ouais, ben il y avait plein de shows nice. Puis finalement, après ça, quand tu avais l'âge de regarder Musique Plus, ils ont commencé à faire des shows de merde, genre des...
les barmaids, là, tu sais, des shows de télé-réalité qu'ils suivent ouais. des barmaids dans un bar ou genre des affaires, des shows de dating, là, tu sais, comme genre, ils sont derrière un mur puis il faut que je choisisse c'est qui ont le coup de foudre pour, là. Fait que là, finalement, Musique Plus, ça a chié, mais quand j'étais jeune, c'était vraiment nice. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est quand même cool. Mais ouais, je pense que c'est pas mal ça. On a parlé d'affaires fucking guys. Je suis vraiment content de t'avoir eu. Alex, merci pour tout. T'as donné déjà ton Facebook, ton Instagram. Y a-tu quoi d'autre que tu veux nous dire? Non, j'ai pas d'autres réseaux sociaux. Malade. Fait que si t'as pas d'OnlyFans encore? Non, pas encore. Cool. Comment ça y passe? Ouais, si jamais la moto, ça commence à coûter trop cher, ouais. Suzuki drop. Ouais, c'est ça. Cool, malade. Fait que merci tout le monde qui a regardé cet épisode-là. Oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment cool quand vous abonnez, puis vous cliquez sur le bouton « Je t'aime ». C'est pas « Je t'aime », c'est « J'aime », mais j'aime mieux dire « Je t'aime ». Fait que merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Alex, va-t'en pas tout de suite. On se parle tout de suite après. Fait que peace out!